Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce premier dimanche de l'année 2021, le 3 janvier 2021, nous célébrons la fête de l'Épiphanie, qu'on appelle autrefois la fête du roi. Bien chers frères et sœurs, le mot Épiphanie vient du mot grec qui veut dire manifestation ou révélation. La fête de l'Épiphanie se situe justement dans cette grande foulée de la manifestation de l'amour de Dieu qui apparaît dans l'enfant de la crèche à Noël. Cette célébration nous invite justement à redécouvrir la révélation du Christ lumière pour toutes les nations. Bien chers frères et sœurs, la dévotion populaire autour des mages est allée jusqu'en faire de rois, ces rois venus d'Orient. Et cette dévotion jusqu'à aller les nommer Balthazar, Melchior et Gaspard, tout simplement pour nous faire comprendre comment le salut de Dieu se situe dans son universalité. Tout homme verra le salut de Dieu. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, insiste clairement que ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage et au même corps. La fête de l'Épiphanie nous invite à la belle page de la manifestation de Dieu au monde. Et pour nous, l'occasion de chanter la gloire de Dieu qui resplendit partout et pour tous. Trois verbes qui s'articulent dans cette célébration. Le verbe marcher, le verbe se prosterner et le verbe repartir. Le mage, ils avaient fait le voyage, ils avaient marché, ils avaient réellement marché, ils avaient fait un bon pèlerinage, guidés par l'étoile jusqu'à redécouvrir l'enfant de Bethléem. Bien chers frères et sœurs, notre vie sur ce monde et dans ce monde est un pèlerinage, est un voyage. Mais quand on voyage, vous savez, ce n'est pas toujours facile. Parfois, la pluie tombe sur vous parce qu'il faut marcher. La chaleur accablante vous écrase parce que vous devez marcher pour aller sur l'autre rive ou bien dans un autre village ou bien dans une autre destination. Bien de difficultés. Mais aussi la joie. Mais aussi la joie parce qu'il s'agit de la découverte. Quand on voyage, on découvre bien des choses. Il y a un philosophe, un anthropologue africain qui disait « Si vous n'avez pas eu la chance dans votre vie d'étudier, d'avoir reçu l'éducation, il faut une fois voyager. Il faut faire le voyage. Car le voyage instruit. » Bien, chers frères et sœurs, les mages ont voyagé et ils ont été instruits à l'école de Dieu. Ils se sont prosternés. Et se prosterner, c'est se rendre bien compte que nous sommes des créatures et qu'il y a un créateur à qui nous devons du respect, à qui nous devons de la considération, à qui nous devons de la révérence. Et donc se prosterner, c'est une attitude. C'est une attitude que nous devons réellement adopter dans notre vie chrétienne. Bien chers frères et sœurs, si nous perdons le sens de l'adoration, nous perdons le sens de la marche de la vie chrétienne, qui est un cheminement vers le Seigneur, non pas vers nous-mêmes. Mais le risque dans l'évangile, cet évangile nous met en garde en présentant côté des mages des personnages qui n'arrivent pas à adorer, entre autres Hérode. Le roi Hérode utilise la ruse avec le verbe adorer. Il dit lui aussi va aller l'adorer, mais il dit aux mages, allez d'abord, au retour, vous allez me donner l'information, moi aussi j'irai l'adorer. Mais Hérode en réalité il s'adore soi-même à travers le mensonge, à travers bien des séditions, à travers des complots, à travers des massacres même. Chers frères et sœurs, chacun de nous est appelé à faire l'examen des consciences pour voir est-ce qu'il s'adore soi-même dans bien des circonstances. Adorons le Seigneur qui nous a fait et nous sommes à lui. Le verbe repartir nous aide clairement à mettre ensemble la marche et l'adoration. Repartir, c'est redécouvrir que la paix et la joie est toujours là pour nous. C'est redécouvrir la présence du Seigneur, peu importe les obscurités de notre vie. Repartir, c'est compter sur le Seigneur, qu'il est avec nous, qu'il est notre chemin, qu'il est notre lumière, il nous éclaire, afin que nous ne puissions pas retourner dans les vieil homme. Repartir, c'est savoir prendre des décisions claires et savoir les appliquer dans cette croissance avec le Seigneur notre Dieu. L'enfant de la crèche nous donne les grands exemples que repartir, c'est savoir accepter et embrasser l'humilité. Repartir, c'est savoir embrasser la vertu de l'intégrité afin de grandir avec l'enfant Jésus, afin de redécouvrir que ce Dieu parmi nous, ce n'est pas un Dieu lointain, c'est Dieu qui nous accompagne, qui fait la marche avec nous. Repartir, c'est savoir prendre conscience que cette marche m'amène vers le Père. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.